Allez. Hop là. Bonjour. Pardon, qu'est-ce que vous avez dit? Bonjour. Oh là là, excusez-moi. J'ai cru que vous avez dit bonjour, monsieur Marcadet. Vous avez vu vos pieds? Ils sont de travers et en plus ils sentent des pieds. Mais non, je peux pas du cul. Bon, je raccroche. Non, j'ai juste dit bonjour. Ah. Oh, mais... Monsieur Marcadet, il y a un paquet pour vous. Oh non, oh là là! Pourvu que ça soit pas un paquet de merde! Non, c'est un paquet de la poste. Merci, Sylvie. Alors... Nicole. Comment vous allez, Nicole? Sylvie. Alors là, pardon, mais je ne vois vraiment pas le rapport entre Sylvie et Nicole. Non, mais c'est juste que je m'appelle pas Nicole, je m'appelle Sylvie. Non, mais qu'est-ce qui m'a pris, le bon Dieu, d'avoir des canards sauvages? D'avoir une secrétaire pareille? Oh là là, la pinailleuse! Alors, ça, voilà, je connais le prénom. Ça va, Sylvie? Ça va, Sylvie? Ça va, Sylvie? Petit oui. Prénom de merde! Oui, ça va, merci. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, un œuf! Oh là là! C'est un client à qui j'ai sauvé la vie qui m'offre un œuf. Oh, comme la vie est belle, c'est gentil. Oh là là, un œuf. Un œuf de caille, je suis content, je suis... Bon, je vais l'appeler pour le remercier avec le téléphone. Oh non, le téléphone orange, il a disparu. Mais il était là, je l'adorais, le combiné, il était orange. Je le sais parce que je l'avais acheté dans un magasin. Il était là, oh non, j'ai un boule dans la gorge. Mais patron, il est juste là, le téléphone. Oh, merci. Non, c'est parce que d'habitude, il est juste là. Alors, oh, comme vous êtes gentil, Mercedes. C'est incroyable, vous êtes ma secrétaire préférée. Je vous aime, Consuelo. Oh là là, vous êtes un brin d'herbe qui soutient la forêt. Qu'est-ce que je deviendrais sans vous? Une petite crotte, hein, c'est ça, hein? Hein, tu prendrais pour les caca qui puent, hein? Mais non, mais j'ai rien dit. Ah, mais quel prétentieux! Mais quelle prétentieuse! Bon, quoi, j'ai pas surjoué, quoi! Oh là là! Ah, avec ces petites mimiques de petites putes qui se prend pour le président de la République, là! Mais enfin, patron, moi je... Quoi? Quoi? Non, rien. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous venez de me dire, là? Oui, bon, ben, ça va, maintenant vous avez vu, alors... Rien! J'ai rien dit, pardon. Comment ça? J'ai rien dit! Vous me coupez pour ne rien dire? Vous me coupez. You cut me the word from nothing to say. Oh, arrêtez, hein. Non, bon, écoutez-moi bien, Vaseline. Je m'appelle pas Vaseline. Bon, alors écoutez-moi bien, crème à cul. Je pense qu'il n'y a pas d'arrêt dans le beefsteak, j'en suis certain, parce que... Qu'est-ce qui vous arrive? J'en suis certain parce que j'en ai mangé encore il y a 10 ans. Donc la prochaine fois que vous me dites d'arrêter, je vous casse le crâne avec une clé à molette que le pape, il en aura mal au cul. Pardon. Pardon. Ah non, alors là, c'est trop fort. Alors là, non. Non. Mais hop. Apportez-moi mon guitaron. Il est là. Mon guitaron. Vous tremblez, Néron, et sentez votre chute proche. Moi, quand ma secrétaire m'agace un petit peu, et qu'elle se prend pour le roi d'Angleterre, et qu'elle crâne avec son petit prénom de merde, je joue du guitaron, ça me revitalise.